comme j'étais convaincu que le dialogue, c'est quelque chose d'extraordinaire, quand vous connaissez le problème de l'autre, comme moi je connaissais le problème de la FEC, surtout de la corporation pétrolière, à partir de Kinshasa, j'avais déjà peaufiné quelques solutions. On a fait une réunion de 2 heures maximum et vos stations sont ouvertes. Est-ce que ce n'est pas bon pour le pays, ça? Est-ce que ce n'est pas bon pour l'INC? Est-ce que ce n'est pas bon pour l'arrivée de notre président que je vous demande d'accueillir alors chaleureusement et massivement? Applaudissez pour le président. Madame Riziki, avec votre équipe, je voudrais vraiment que vous puissiez vous organiser avec nos alliés. Vous n'êtes pas seul. Quand on vous dit qu'on a payé les listes, les alliés sont là-dedans. Nous avons des regroupements, n'est-ce pas? Et donc, soyez unis. Travaillez ensemble et vous allez voir ce que vous allez produire comme miracle. Je voudrais une grande mobilisation, comme je serai maintenant à l'aéroport. Je vais jauger de votre capacité de mobilisation. Parce que déjà, vous me faites plaisir quand je suis à Kinshasa, quand le président rentre de Lubumbashi. Mais il fait quand? Namona qui bat. Et puis quand je regarde les images, je dis, ah bon, c'est bien. Je suis content. C'est comme ça qu'un père est fier de ses enfants. Et donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. En ce qui concerne votre, comme l'a dit Madame Laporte-Parole, votre présence dans le gouvernorat, figurez-vous que nous avons le même problème à Bukavu. Nous avons le même problème au Congo central, où nous avons notre propre gouverneur. À Bukavu, donc, mon fief naturel, aucun ministre dans le gouvernement provincial, aucun secrétaire, personne. Et ceux qui étaient là, on les a tous chassés. Mais moi, je ne suis pas de la race des gens qui aiment se plaindre.